Pimousse, c'est validé. Ça y est, on part en vacances. On va où là? Paris. J'aime bien. Ça va être incroyable. Bon, ok. T'as prêt à noter les une salle de sport? Là, il y a des boîtes de nuit. Bon, elles sont incroyables. J'en ai rien tu à vas kiffer. Mais on va faire quoi? Bon, on a pas besoin d'aller en boîte de nuit. Moi, je veux des bons restaurants. Je veux une bonne salle de musculation. Resto, il y en a des bons. Je crois qu'il faut des moules frites, gros. Ça va être incroyable. Des barbecues. Je vais pas manger des moules. Sauce au poivre. Oh, ça va être magnifique. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Les plages, elles sont où? Ouais. Sur les plages, il y a des putes. Oh là là. Comment ça, il y a des. En vacances, on va aux boîtes de Boulogne, frère. C'est validé. Je vais niquer. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo. I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Don't you want my wife when you step me in the back? Vous aurez remarqué qu'il est plus costaud que moi maintenant. Là, il fait une sèche de l'extrême avec son basketball. Je suis devenu maigre. Donc lui maintenant c'est l'athlète de la chaîne et moi je suis le gros sac de la chaîne. Voilà. C'est lui le powerlifter maintenant. On va en Italie là dans 2 semaines. Pour moi c'était pas prévu de le rejoindre. Il y a toute la famille. Ils vont nous voir à chaque fois, ils se disent ah putain ils sont musclés de plus un. Là ils vont dire putain Bino il est 7, Dido c'est devenu un gros sac. Powerlifter. J'ai pas envie d'y aller les gars. Et ce qui me fume c'est que la dernière fois qu'on y est allé, moi j'avais fait une prépa exprès pour l'Italie, hein, une prépa comme si je partais en compète. On était pas là pour parler de ça. Non, on était pas là pour parler de ça. Salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Ah non, c'est à moi de le dire ça. Bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est pas. Ah si c'est les vacances. Bah si. C'est justement c'est en relation. J'allais dire est-ce qu'il va tilter que ça en relation. On a la transition. On part en vacances prochainement. Les gros musclés, je sais pas qui partent en vacances, on se pose tous la question comment on va gérer la diète, comment on va gérer les trainings. On va vous dire nous ce qu'on fait et ce qui pourrait être intéressant aussi pour vous. Je vais te laisser commencer, Pimousse, parce que moi je pense que je vais cheat sur cheat. Là, les vacances, ça sert aussi à décompresser. Et là, à la fin de la vidéo, même dès le début, là, vous pouvez commenter hein, Team Didio, Team Pimousse, est-ce que vous allez cheat, est-ce que vous allez rester sérieux. On va vous expliquer un peu notre plan. Il n'y a pas de Team Cheat, pas cheat, c'est que ça va dépendre. Combien de temps tu pars? Si tu pars 4 jours, tu peux cheater 4 jours. Tu peux t'arrêter une semaine de muscu au niveau de la diète, d'entraînement, il n'y aura pas de conséquences. Tu peux manger pizza tous les soirs, du moment que tu n'en manges pas 4, tu en manges une, ça va. Ah, mais c'est ça le problème. Ça va, ouais, je le sais. En général, on te donne des bonnes choses tous les jours, tu es capable de te retenir parce que tu sais que le lendemain tu vas remanger, tu vas te faire plaisir. C'est quand tu sais que tu vas te restreindre sur une longue période que tu t'éclates le ventre le jour. Tu vas venir une semaine après, tu vas te sentir frustré et là tu vas compenser un max, tu vas faire des trucs. C'est ça. Si on te donne tous les jours des bons trucs, tu sais ne pas en abuser, tu sais te tenir en général. Donc là, pour les gens qui partent une semaine, comme moi, là je vais partir 8 jours, je pense. On va pas te prendre pour un exemple parce que lui il part en stage intensif militaire avec moi, donc on va pas le prendre en exemple. Non, ouais, là les gars, pour en revenir à nous, on y va. Moi j'y vais une semaine, c'était pas prévu, ouais. Mais juste pour faire un camp d'entraînement. Une fois qu'on sera rentré des vacances, il y aura les photos pour les nouveaux programmes PDF qui vont sortir sur le site. Pour avoir une bonne shape, faut que je me démerde. Donc là, ça va être gros camp d'entraînement. Je pense en 2 semaines, tu peux sortir une shape. Toi, en 2 semaines, t'es capable de perdre 3-4 kilos facile. Ça dépend. J'ai le droit d'utiliser tes produits ou je suis obligé de me taper que du QNT? Ça va être que du QNT. Ah bon, les gars, j'aurai la même shape que j'ai depuis que j'ai commencé à muscu. Quel menteur. Non, mais du coup, nous, donc, ça voilà. Sera à base de basket, de muscu, de... Ça va être basket, muscu à fond. De natation, beaucoup de marche. Les gars. Et les copines, on les met de côté. Voilà. Allez, bon, nous, on va s'entraîner. La personne qui part 3-4 jours, elle déjà, c'est tu peux y aller pendant 3-4 jours, tu te mets en off, tu peux cheater. Ça te fera du bien en plus de couper un peu avec la muscu. La muscu, c'est tous les jours. Prends 4 jours pour toi, ça va te faire du bien. C'est ça. Même si tu veux, tu t'entraînes même pas, mais tu marches un minimum. Mais tout ça, si j'appuie sur REC, si t'appuies, je suis certain. Pourquoi il est pas allumé? Voilà, t'es sûr. Putain. Petit problème de son, on revient avec les micro-cravates. On a dit 4 jours que les mecs ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci. Tu peux même ne pas t'entraîner. En général, en vacances, tu marches plus, donc ça va. Une semaine, ça commence à être un peu plus long. Une semaine, je préconiserais pas de cheater tous les jours. Je dirais, tu peux faire 2-3 cheats. Tu fais un jour sur deux. Ou alors, tu manges au resto tous les jours, tu essayes de t'arranger pour pas abuser. Tu vas manger pizza le midi, tu vas manger light pour pouvoir manger pizza le soir. Tu vois, tu essaies d'arranger ton total calorique sur la journée. Tu compenses. Tu sais que tu as mangé beaucoup à midi, tu manges moins le soir. En revanche, pour les personnes qui eux vont partir plus d'une semaine, là par contre, il va falloir faire les comptes. Là, faut mettre des choses en place parce que sinon, tout ce que vous avez acquis, les gars, vous allez tout perdre. Moi, ce que je fais. Toi, je me rappelle, tu faisais cheat pendant 2 semaines en Italie, mais t'arrivais sur une base pas sec. Ouais, t'arrivais sur une base écorchée. J'arrivais sur la plage, j'étais bien, vraiment taillé au laser. Je pouvais manger pendant 2 semaines, 3 semaines, je ressortais, j'étais un peu plus bug. T'avais pris 5-6 kills, mais c'était beaucoup de flotte. Mais j'étais propre au final. Si vous arrivez sec, bon, vous pouvez cheater. Sinon, je mangeais pas matin, midi, soir comme un gros sac. En fait, ce que je faisais, c'est bourrer mon alimentation de protéines, de légumes, le matin, le midi, et le soir seulement, je m'autorisais à un cheat meal, mais vraiment. Les jours.
C'était à base de 5 calzones. Je me rappelle très bien. Ça faisait vraiment plaisir. Mais en vrai, vous pouvez le faire, hein, parce qu'au final, tous les calories, vous les mettez au soir. C'est ce que je faisais. Hein. La journée, je marchais, je faisais du sport à bloc et tout. Et au soir, je me tapais mes calories. Que la viande, les légumes, c'est à volonté, les gars, c'est peu calorique. Vous pouvez y aller. Et il n'y a qu'au soir où vraiment je m'autorisais les glucides. Les glucides au soir, c'est pas bon. Ça, c'est fou. Hein. C'est bon, vous le savez. Vous les prenez au midi et au soir, c'est pareil. Mais après, voilà, là, on parle pour des cas exceptionnels. C'est-à-dire, juste de ça, on va revenir là-dessus. C'est énormément de sport pendant les deux semaines. Ah, il y avait le foot, il envoyait. Il y a la natation. C'était à coup de 2 heures de sport tous les jours. Il s'en battait les couilles, il avait pas le temps. Donc, là, maintenant, les gars, je suis devenu un feignant. Ouais. C'est fini tout ça. Ça, c'est en termes de temps, tu vois, en termes de durée. Ceux qui sont plus d'une semaine, oubliez les cheats tous les jours. Une semaine, faites attention. 3-4 jours, faites-vous plaisir. Ouais. Maintenant, on va partir sur le fait de comment tu fais si tu pars 3-4 jours, une semaine ou plus de temps, en termes d'entraînement, etc. Comment t'arranger pour pas prendre de poids en vacances, tu vois, pour compenser un minimum. Qu'est-ce qu'on préconiserait en tout cas quand t'es en vacances? Déjà, de base, avant de réserver vos vacances, essayez de trouver un endroit où il y a une salle de muscu à proximité. Si c'est pas possible, on peut faire autrement. Poids du corps, les gars, vous pouvez ramener du matos. Le must pour ça, c'est les élastiques. Et le TRX. Et le TRX. C'est deux sangles. Vous pouvez travailler l'ensemble du corps, les gars, c'est un super investissement. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ça doit coûter quoi, 20-30 euros par... 30 balles à Décathlon, t'en as. Au premier prix, après, bien sûr, il y a des TRX à 100-150. Mais vraiment, les gars, ça vaut le coup d'investir là-dedans. C'est vraiment pas mal. Il y a quelques vidéos que j'avais fait en Italie où j'utilisais le TRX. Vous pouvez aller voir là, si vous avez le courage de voir mes premières vidéos. Didio Prépa Football, vous allez le voir vraiment et il se l'a donné fort. De toute façon, allez voir Didio Prépa Football. Vraiment, zéro van, allez la voir, c'est là. Une des premières vidéos de la chaîne, vous allez voir dans l'état où il arrive en shape. Vous allez voir que le mec il se trie des triceps et tout, c'est pour ça qu'il a pu se permettre de cheater. C'est une de mes vidéos préférées de la chaîne. Première vidéo YouTube, les gars, c'est ce que c'est. Là, on va vous donner des conseils à appliquer, tu vois. Mais ça sera des conseils qui seront plus applicables aux personnes qui restent une semaine et plus. Ceux qui sont là 3-4 jours, juste si vous marchez beaucoup, ça fera l'affaire. Même s'ils ne s'entraînent pas pendant 3-4 jours, c'est pas non plus la mort. Ah, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en vacances, bah, on visite beaucoup, ah, oui. On fait beaucoup de plages, donc vous dépensez beaucoup plus que d'habitude, donc votre corps il va compenser au final. Vous pouvez vous permettre de manger plus que d'habitude. 4 jours, ça va rien faire, les gars. En revanche, si vous êtes là une semaine, il va falloir mettre en place des stratégies qu'on va donner là maintenant. Non, parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Hein. Ouais. Je veux bien le watch time, c'est bien, mais là, ils commencent à en avoir marre. Moi, ce que je vais conseiller déjà, c'est, il a dit, trouver un endroit où il y a une salle de muscu. Si vous êtes là pendant une semaine et plus, trouver un endroit où il y a une salle de muscu, c'est... C'est un plus. On peut faire ça. C'est important, on peut faire sans. Parce qu'il y a des gars, les gars. Mais c'est un plus. Non, mais il y a des gars qui arrivent à avoir des super physiques sans musculation. Bien sûr. Au street workout, ça existe. Le poids du corps, ça en fait partie. Trouvez-vous pas d'excuses. S'il n'y a pas de salle, vous pouvez vous entraîner. Voilà, vous démerdez. Bien sûr. Il y a un truc à faire aux élastiques, il y a plein de trucs à faire aux TRX. C'est ça. Plus de répétitions, vous prenez moins de temps de repos. Ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus cardio. Et là, si vous êtes malin, bah, vous préparez vos vacances. Un mois avant vos vacances, commencez à intégrer des circuits training dans votre programmation d'entraînement. Déjà, vous serez plus à l'aise en vacances. Parce qu'il faut pas oublier que là-bas, il fera peut-être très chaud. Ouais. Votre corps il sera pas habitué. Donc moi c'est ce que je faisais avant l'Italie. Pendant un mois je faisais des programmes d'entraînement beaucoup plus intenses. Comme ça j'arrive en Italie, j'étais prêt. Après si jamais vous avez une salle sur place, vous pouvez rester sur des entraînements basés muscu comme d'habitude, les mêmes que d'habitude, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez juste un peu de cardio à côté parce que bah, tu sais que tu vas manger un peu plus. Ça plus la dépense, le fait que tu vas marcher plus, à la plage tu vas nager, tu vas te dépenser, ça compense, il n'y a pas de problème. S'ils sont là 2 semaines, tu peux cheater 2 fois par semaine. Pas de problème, tu es en vacances, tu cheats 2 fois par semaine, même, ça va pas te niquer ta chaîne. 3 fois. 2-3 fois même, mais que le soir, c'est pas toute la journée. Enfin, pas des cheat days, c'est des cheat meals. Après en plus tu vas dans des restos, des fois c'est un peu quand même qualitatif. Prendre un burger au resto, c'est pas un burger McDo. Après si vraiment vous voulez être sûr de pas prendre de poids du tout en vacances, oubliez la salle, faites que du poids du corps. Lui il connaît bien, super serre. Vous enchaînez, vous faites un exercice de chaque groupe musculaire et vous enchaînez et vous prenez le repos après. Bien, en vrai, ça change de la pratique, les gars. Franchement, on est toujours enfermé en salle. S'entraîner dehors, c'est un plaisir. Et ça fait du bien aux articulations. Parce qu'on met plus de grosses charges sur les poignets et les coudes. Donc là, allez-y, pompez. C'est bon, j'arrête. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner et cheater en même temps 3 fois par semaine, faut pas abuser. Il y aura quand même quelques petits dégâts, hein. Tu feras de l'eau, un peu de rétention. Ouais, voilà. Mais honnêtement, tu rentres de vacances en 2-3 semaines, tu reprends, c'est plus. Le corps il va vite retrouver ce que vous aviez créé avant. Si vous voulez abuser tous les jours, si c'est à base d'alcool, c'est mort. Vous allez perdre des gains, ça va être dur de revenir, il va vous falloir plus d'un mois, je pense. Et s'il n'y a pas d'alcool et c'est que de la nourriture, vous cheatez tous les jours. Comme je vous ai dit, vous placez seulement un gros repas avec beaucoup de glucides dedans. Et le reste du temps, bah, simplement protéines, légumes. N'oubliez pas aussi de prendre vos compléments alimentaires, hein, les gars. En vacances, on a moins de protéines en général, on va pas se prendre, je sais pas, 3 entrecôtes au resto, ça coûte cher. Hein, ça coûte très cher. Donc les gars, vous pouvez prendre des enfants en petits sachets. Ouais. Nous, on a pris notre commande juste avant et c'est exactement ce qu'on a pris, des petits sachets de Light Digest. Comme ça, tu glisses ça dans ton sac, en glisses 4, 5, 6 pendant tes vacances, t'as tes protéines. Parce que ça, en fait, dans la valise, les gars, ça passe pas. Dans la voiture, ça prend la place. Les petits sachets Light Digest, c'est parfait. Une portion à chaque fois, ça se place dans la valise simplement. N'hésitez pas, ça nous aide. QNT, c'est quoi le code? Fitness Fusion, vous avez 20% de réduction, ça fait plaisir. Et en plus, vous nous soutenez. Parce qu'en plus, les gars, on a des gros projets. Oh là là. Ouais, là, on a des très gros projets. Dingueries, là, qu'on nous a annoncés. Est-ce qu'ils savent que
Non, on dit rien. Non, juste un petit indice. Vas-y. Mais est-ce qu'ils savent que le stade Charleroi de D1 en Belgique, ouais, il appartient à QNT? Non, c'est sympa, je pense. Sympa. Déjà avec un garage, ce qu'on fait. Alors imaginez-vous avec un stade de foot. Fait le tour pour la vidéo. Moi, je pense qu'on leur a donné des bons conseils. S'ils s'y tiennent, ils devraient avoir une bonne chaîne. Franchement, avec les conseils qu'on vous a donnés, si vous faites un minimum attention en vacances, vous pouvez même revenir plus sec que quand t'es parti. Moi, je suis parti en Italie, tu te rappelles quand je suis arrivé? Je suis revenu plus sec que quand je suis arrivé. Toi, d'une fois que t'as un objectif, ouais, tu as un objectif, c'est terminé. Donc là, il sait qu'il y a les photos. Peut-être que cette année aussi, tu vas revenir. Je vais revenir plus sec encore, c'est sûr. Moi, je vais essayer, les gars, pour le bien de Fitness Fusion, parce que si on veut qu'ils achètent des programmes, il faut que je sois sec. Sinon, bah, dans la vidéo présentation, bah, je serai le coach. Quand je parle trop, on va montrer. Et allez. Pourquoi tu te mets tout nu? Parce que depuis tard, je dis ouais, je suis gros lard. Ah, mais ils ont pas vu ce que j'ai mangé. Non, franchement, ça va encore. Il est massif. Moi, je trouve que t'es massif. Bon, je suis censé être en sèche, les gars. Ouais, il est pas en sèche, faut pas l'écouter. Je viens de manger une entrecôte plus mes frites plus ses frites. Plus ça fait une semaine. Avec une sauce au poivre. Plus là, ça fait une semaine que je cheat parce qu'il y a l'émission qui est sortie. C'est quoi cette excuse de merde? Non, mais du coup, on a fêté ça. Les tendances, elles se sont vraiment inversées là. Juste pour dire, là, il y a des vidéos qui vont sortir quand on sera en Italie. Le tacle du Fit Game version 2, on va le refaire. Il y a des vidéos qui vont sortir en Italie. On sera tout nu. Pimousse aura une meilleure shape que moi, les gars. Faut pas juger. L'année prochaine, je le fume. Il va rien fumer. J'ai annoncé cette année. Cette année, t'as été meilleur. Ouais. L'année prochaine, je le fume. Est-ce que t'arriveras à être en PDC plus 10 sec? Là, je suis en PDC plus 10 propre. Pas sec. Et moi, les gars, PDC plus 5, je sais faire sec. Après, en termes d'esthétisme, il sera toujours au-dessus de moi. Il n'y a pas photo. Lui sec à côté de moi, sec, il sera plus beau. Les insertions sont meilleures. Moi, j'aime pas quand tu me suces. Mais vas-y, sur ces belles paroles, les gars, ça va te laisser. Attends, je vais mettre mon t-shirt. T'es vraiment massif, hein, là. Très massif. Ouais, attends, là, je contracte. Je vais pas te mentir. Je vais aller à l'Italie comme ça. Là, c'est des shapes qui me ressemblent à moi, ça. Ça, c'est pas des shapes de Didio, c'est des shapes d'albino. Mais je crois que mon père et ma mère, ils vont me voir. Ils vont me dire, ouais, je joue ni le sport, ça me dit, mais je suis quoi le sport? Je serais obligé d'être comme ça. Là, là, vraiment, en fait, t'as une shape d'albino. Ouais, je t'ai dit, on a inversé, tu t'en rends pas compte. C'est là, toi qui fais du sport. T'as une shape d'albino, gros. Ouais, mais toi, t'es plus massif que moi, même quand t'es en sèche, en fait. Là, t'es un albino. Je suis un beau muscu, je fais que de la salle. Je me pose 2 minutes, je vais pousser un peu de la fonte. Le fainéant du figure, on dirait moi, ouais. L'année prochaine, cette année, c'était pas propice. Regarde comment t'es serré dans ton polo, frère. Il y a 2 doigts de péter le polo, gros. À partir de septembre, on va reposer des bases et on va avoir un vrai physique l'année prochaine, les gars. Bon, voilà, les gars, c'était la vidéo du mercredi. Merci d'être au rendez-vous mercredi et dimanche 17h. La vidéo force le mercredi, la vidéo fun le dimanche. À partir de septembre, on commence à vous en parler. On passera à 3 vidéos semaine avec un entraînement par semaine le vendredi. Au niveau de l'heure, je sais pas, on reste sur 17h, moi. 17-18h, c'est bien. Ah, là, dans ces eaux-là. On va se mettre d'accord. Ça nous laisse la journée pour nous organiser pour les miniatures, voilà. C'est plus simple. Donc, si vous voulez voir nos entraînements, quoi ça ressemble, parce qu'on a fait beaucoup de fun, beaucoup de force, mais pas assez d'entraînement, activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas le petit like, tous les liens en description, QNT et tout, n'hésite pas. Et votre site internet. Il est bon vendeur. J'ai rien oublié. Ça fait beaucoup. Bon, là, à mon avis, il n'y a que les meilleurs qui sont restés. Donc, merci à vous. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de. Mousse? Ouais, je crois que tu t'appelles. Ouais, Mousse. C'est ça, hein. Moi, ça doit être Didio. Ça doit être un truc comme ça, je crois. Force et fun. Suu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